en tout cas, du coup, ça commence direct sur Dreamland pour cette grande finale de Super Smash Bros. Allez, ce Stunfest. Tu pourrais soulever cette grande finale pour Heather et ça me plaît. C'est parti. Petite pression, je mange joli, boum, boomerang, bombe qui retombe, qui coince, ça me plaît, l'OB qui couvre bien les roulades de ce côté-là. Quand l'adversaire est forcément au sol, c'est plus facile. La Heather qui fait des grands sonnerres, le boomerang sens tout en reculant, d'Hashtag, heureusement, mauvaise lecture de tech. Elle a vraiment sa tente, mettre la pression au bouclier, d'Hashtag dans le bouclier, c'est pas une bonne idée. La chance, ça me plaît, je fais bien son temps avec son frère, mettre la pression. Mais il a feinté d'être mort, il est resté au sol, Pepper, il chasse la bombe, il la relance, malheureusement, ça ne passe pas. Dans la finesse. La délicatesse, voilà. Et là, Simplex qui met une vraie pression, la dague qui passe. Oh, le chaîne raté, esquivé d'un poil avec cet air dodge. Très bien joué de la part de la part d'Hazer. Ce backer qui touche en plein au milieu de OB. Est-ce qu'il a... peut faire péter sa bombe sur lui pour remonter. Là, malheureusement, il s'est raté. Il peut le faire. Ah oui, d'accord. Et là, il l'a raté, malheureusement. Peut-être qu'il va arriver à la prochaine, on verra bien. Mais c'est assez tricky à faire. Et mais après ça, comme un petit coup, ça fait monter les pourcentages, pourquoi pas. C'est gratuit, c'est gratuit. Oh, le moment où il passe juste en dessous, mais le jam, il fait tomber l'utile d'avance. Et le monopole. Simplicité. Il n'avait pas l'air d'être d'accord, hein. Ah, c'est plus facile à être gardé en Falco Jammer. Enfin, ça, c'est clair. C'est beaucoup plus facile. En tout cas, il reste là, faire son mur, tirer ses projectiles petit à petit, l'ambition de revenir. C'est très bien joué de la part d'Hazer. Qui, pour le moment, reprend un peu ses distances, encore une fois, là où Simplex essaie de coller. Et arrive malgré la fin, c'était dangereux. Oh là, ça glisse un peu sur le sol, c'est dangereux. Lada qui touche, Lada qui le bloque sur le. Fait tomber sur le sol, mais le moment qui lui fait gagner, c'est quelques temps qu'il lui faut. Bon, ça revient, le grappin, ça vise le bord, mais ça me plaît, le prend, donc forcément ça l'attend. Ça met un shine, ça suit cette plateforme tout en haut, dans les lectures de tech. Y'a pas de punition, mais ça attend un peu. Mais Heather qui gère très bien son OB en reculant comme il faut, etc. Ça permet de dépasser en profitant de la grosse portée pour revenir. Joli shine en plein dans la cheville. Il était en bouclier, il a fait la cheville pour viser le stab. Très très bien joué. Avant B, ça m'étonnerait que ce soit en avant B parce que ça. Ouais, il y avait quelque chose derrière ça. Et Lada, et le deuxième, non, malheureusement trop de pourcentage pour être promoté maintenant. C'est ça qui devient dangereux, à pas arriver à tuer son adversaire. Ouh, voilà. Oh, ça le smacho. Un petit smacho. C'est ça qu'il aurait dû mettre sur le OB derrière. Coup, il mettait smacho, ça a été terminé à mon avis. Il a tenté à un moment, je crois, de lui mettre. Mais le smacho taco, il est pas si puissant. Mais là, je pense, Heather a fait une déhaute en plus. Oh, Shine OB, malheureusement, ça ne passe pas. C'est un combo qui passe généralement, mais là malheureusement ce n'est pas passé. Le chaîne qui passe, le deuxième, il prend bien sa hauteur pour vite lui retomber dessus. Tu vois, il prend bien le temps de lire où il va tomber pour le tomber dessus avec Frey. La vitesse de chute de Falco, de toute façon, ça c'est un bonheur, c'est un bonheur. Il prend bien ses hauteurs, le mec est stun, maintenant voir où il va, on lui dessus. Ça arrête les bombes avec son blaster, qu'est-ce qui se passe? Ça va game le OB, Adas match avant direct. Et ça se prend le boomerang, il traverse le stage. Bah ouais, le boomerang était dans le stage, bah ouais. Quelle erreur. Bien sûr, la base. Donc là, malheureusement, oh, mais il ne se laisse pas faire. Il met bien une bonne expression dessus. La flèche. La flèche, très bien visée de la part des heures. C'est la première flèche qui tire, je crois, de tout set. Et il la tire dans le vide. Dans le vide. Et là, il le fait. Mais ça fait qu'il attendait qu'il le récupère. Bah, c'est pour le style. Mais bien sûr. Voilà. Mais en tout cas, one stock match. C'est chaud pour ce match de grande finale. La UA qui touche, il suit la tech, le smash bar. Forcément, avec la piscine de Falco, il retourne sur le sol, il peut encore suivre. Malheureusement, il n'a pas réussi. Le team qui passe, le shine, le tuto. Il le coince, la faille, le pouce, ce qu'il faut. Il attendait déjà en dessous le blaster. Et il attend ensuite. Non, oui. Mais forcément. Tu as vu la vitesse à laquelle il revenait dans le match sur ce dernier stock. Il était à 0%, Heather. Il a pris 3,50, 2 shine et il s'est fait embrouiller. C'est ça qui est super dangereux. Hein. Falco, il met une telle pression, il rend tellement fou que c'est vraiment très dur de toujours arriver à rester concentré, savoir d'où va venir le prochain coup, pouvoir se protéger, ce genre de choses. Il a une véritable vitesse et pression de loin avec ses blasters, de proche avec ses shines, ses coups, de partout. Mais de partout, mais bien sûr. Et ça la remet sur Dreamland, du coup, forcément. Heather pense pouvoir l'avoir sur ce stage. Et là, il lui met le piquet. Ah, il attend. Il reste bien en dessous, le coin sur la plateforme. Il jonglait avec. Il recommence. Il attend. Ah, dommage. Je pensais à une tech à gauche. Mais c'est le mec qui reste sur place. Il passe l'OB. Juste après, un coup raté. Et le monopole, simplicité, tout à fait. D'accord. Bah, beaucoup en fait, un seul joueur peut se mettre sur le bord. Et du coup, en fait, avec l'animation de la roulade pour revenir sur le terrain, tout le temps de l'animation de la roulade, l'adversaire ne peut pas s'accrocher. C'est propre. Du coup, c'est ça. Il en profite pas. Oh, la guette, la touche de loin, le type de bas qui
Mais tout le monde d'accord qui est en dessous là, ce match avant d'en bouclier. C'était pas forcément la meilleure idée là. C'était ils pas la meilleure idée. Ils bourrent pas. Ah là, ils bourrent pas. Ils bourrent pas. Lui, il bourre pas, tu le dis. Mon dieu, mon dieu. En tout cas, dommage que le chêne aurait pu se loger avant le OB. Et là, il le fait rebondir sur le sol, il le tue. Plus qu'une stock à remonter, mais en tout cas, sa blague, il part avec un sacré retard sur ce match. Le chêne, un poil trop loin. Petite pression de double chêne. C'était la même chose hein, lors du match précédent. Il était dans le même genre de situation, il est remonté. Hein, donc, faire attention. Hein. Pas s'endormir. Hein. Contre le perso. Surtout pas. Là, bon, qui passe bien, malheureusement, ça n'enchaîne pas. Du coup, petite pression. Forcément, ça s'est trop rapproché du Falco. Donc, là, tout de suite, c'est pression au corps à corps. Bon, là où Link a très très peu de fenêtres d'action, on va dire. Là, c'est hop. Et après son temps, il s'est barré. Et finalement, il l'a rendu fou. Il est passé sur la plateforme. Petit backer, machin, tout ce qu'il faut. Il prend son temps, il attaque pas forcément. Il le rend fou avec ses sauts. C'est tout le saut. Il le suit. Le OB, ça repousse bien sur le nez, bien extérieur. En plus, j'ai l'impression. Le moment, il le fait tomber. Et le smash avant qui passe. Et l'avant B, malheureusement, un poil trop court. Ouais. 3 stocks d'avance pour Hazer contre Sam Play. On va voir ça. Il fait tomber la bombe sur la tête. L'avant, ça passe. En dessous, ça passe bien. Là, la bombe. Trop forcément. Ça lui retourne le nerf qui passe. Il reste en dessous. Elle lui met le piquet, le grab qui touche. Ça lui tourne autour le chêne qui ne touche pas. Malheureusement, les coups, c'est ce qui va. Donc, juste ce qu'il faut. Il s'est poussé. Rosso, backer direct. Et le suicide. Oh non. Oh non. J'ai glissé, chef. Il a pu se la péter en mode, moi, je fais des short turnaround, wave round, tout hedgehog, machin, là. Et il se plante. Ah là là. Plutôt que de faire un grand saut simple, on a j'ai le temps. J'ai fusionné avec le jeu, mais je glisse. C'est dommage. Et du coup, ça la met sur Yoshi Story. Donc, Kaiser, qui est mine de rien, malgré le suicide de Sample, avec quand même un véritable avantage. Et, oh là là, ça d'accord. Commence direct. Oh, ici, t'es chez moi, mec. Ici, t'es chez moi. Là, c'est ma maison. Oh là là, incroyable. C'est un peu trop réjoui, Hazer, et le rappeler alors. Ah là, non, il n'a pas d'espace pour respirer, Hazer. Là, c'est le stage le plus petit. Et c'est vrai que ça me plaît, adore ce stage. Et là, pour lui, j'ai une grosse pression tout le long. Et justement, on peut voir le chêne qui passe la table. Il a tenté le petit backer. Oh, je l'ai dit, malheureusement. Hazer, magnifique. Non, ça m'énerve. Dommage, j'ai fait un vrai headguard, du coup il avait vraiment fait tomber juste ce qu'il fallait. Boomerang par boomerang, et malheureusement un poil trop gourmand. Ça me plaît qu'il descende bien bas, peut-être un peu trop que ce qu'il pouvait. Et ils auraient tout dans le piège. Et la petite pression qui passe largement sur le Link, qui prend vraiment très très cher sur ce match. Mais le piquet, il ne s'arrête pas, il ne s'arrête pas. Lana, juste ce qu'il faut, pas bloquer malheureusement. Merci, là, voilà. Lana, bah oui, hein, bah, je suis bien avec. Même les gens, ils se défendent aussi, après c'est pas ma faute. Ah, voilà. Joli backer, il s'est bien laissé descendre la suivi. Tu m'as 3 stockés tout à l'heure, je vais te montrer ce que c'est un vrai 3 stock. Là pour le moment, c'est la vraie pression, il passe derrière. Il le suit, le backer, il le maintient, tilt au tilt au balance. Il a jamais fait face à l'ennemi, hein. Il est toujours en backdash, hein. Juste qu'il faut. Oh, de quoi ? Il a été gourmand ! Il était tellement gourmand ! Il a tenté le deuxième der pour faire tomber avec lui. Sauf que Hazer a fait une vraie DI intérieure pour tomber sur le stage. Et du coup, malheureusement, ça plaît, tout le monde dans le vide pour que l'adversaire tombe aussi. Et le shine deuxième qui n'a pas tué. Il aurait pu le tuer s'il mettait le deuxième shine. Du coup, le plafond est très très bas et son adjoint qui passe direct. Très beau match. Il fait le mec hein, quand même, Sampley. Ah. C'est le mec. Hein. Faut pas rigoler avec Sampley, faut pas. Fais le mec. Attention. Donc là, Hazer, je pense qu'il va prendre un stage un peu plus grand. C'est dangereux de prendre. C'est très dangereux. C'est très dangereux pour lui de prendre destination finale puisque c'est un stage. Mais il le prend. Ok, et très bien. Pas, qu'est-ce qu'il y a. Je pensais que les blasters allaient être un peu embêtants, mais bon, bah très bien, c'est parti. Alors bon, on se fait trouver des bombes de bien loin. Ah, remarque, c'est vrai, pas de plateforme. On va peut-être toucher très loin avec ces bombes. On va voir ce que ça va être. Bon, en tout cas, là, ça me plaît. Le lâche pas. Le petit moment, juste ce qu'il faut. Mais Lada, il attend, il le suit, le tech, le shine, le terre, encore une fois. Le match avant chargé un peu trop, il pensait qu'il allait rouler, mais c'est pas le cas. Il charge toute sa famille. Ah là, complètement. Et là, bon, petite question encore une fois. Bah, Mirkul, c'est parti, il le suit. Le petit blaster, il n'y a plus de deuxième saut, il est sur le bord, il attend. Et ça remonte tout parfaitement bien, sweet côté. Forcément, petite pression, ça se tourne tout, hein. Et là, les blasters, c'est parti. Quand ça me plaît. Oh, le kill de base, juste ce qu'il faut, d'accord. Il se glisse derrière. Ça tue, pas de débat par Dazer, bam, c'est direct. Là, petit mouvement, là, bon, c'est parti, mais en fait. Dès que ça me plaît, touche avec un blaster. Ouais, il peut foncer directement. Ouais.
parce qu'il sait qu'après, à ce moment-là, il a mis son rétro, genre, on va devoir se protéger ou n'importe. Et là, il n'y a pas de D à part de Heather. Il y a mon cul de D à part de Heather. Du coup, c'est un Shinada, Shinada, Shinada. Et un spatialement, le OB bien trop dépassé de la part de Heather. Ça me plaît qu'il met une véritable, véritable pression à beaucoup sur ce stade et sur ce match. 45% de stock retiré. Le Smash Back qui passe bien, malheureusement, Link trop. Trop lent pour courir après Falco, après sa tech beaucoup trop lent. Shinobi qui passe bien, ça descend en fer, juste ce qu'il faut. L'assaut, grand saut, le mouvement qui reviendra à un autre, mais le nerf pour couvrir. Le mouvement qui fait lentement, peut le temps disparaître. Et en plein ça fait sur encore. La tête, forcément. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. La bombe qui passe, c'est 4 stocks. Est-ce qu'on va avoir droit à 4 stocks en grande finale du Sunfest? On va voir. En tout cas, ça plaît, qui pousse complètement le ton pour le moment. Mazer qui repousse son adversaire. Là, ça va être Lana qui ne touche pas malheureusement. Double Blaster, ça fait remonter obligatoirement en mode Blaster Reserve. C'est la vraie pression. Adon de Shanada, Shanada. Encore une fois, Shanada déchaîne partout. Chou avec lui, il fait un pong avec lui tout seul en fait. Il fait un squat entre le fur du et lui, et là il attend la dame heureusement qui ne passe pas de pression. Il attend le mouvement qui touche la tête. Le back air ça touche, malheureusement ça n'enchaîne pas d'air. Un petit nerf consistance, le blaster qui touche. Ada il est sur lui, il attend. Il a pris un truc bizarre, du coup il s'est pris le fer. Ça me plaît, on va plus en finir là, mais le slow qui passe. Le nerf qui touche encore une fois. Le petit OB. Ah, ça va bien la gare. Et ça passe voilà. Sur le son. Et ça donne. Et ça donne de par les arènes, ça plaît aussi. Qui donne coup de comme ça, voilà. Demain, victoire, 3 stocks. Ça me plaît, Heather, très très, très très bien. Je dirais très beau jeu en tout cas, c'est vraiment une belle finale. Magnifique, oui. Comme on les aime. Magnifique, hein, mais ouais. Destination finale. Ah, c'était pas un bon choix. Tester Falco, c'est compliqué. Ah, j'avoue que là, on voit clairement là beaucoup l'importance du stage, quoi. On voit là justement la notion de pas faire d'erreur de counter pick, quoi. Si jamais on fait ce genre d'erreur, un mauvais stage, c'est un 4 stock direct, quoi. Non, mais c'est sympa. Les joueurs ont fait le show, du bon spectacle, c'était des prises beau. De risque, des exact. Petits mouvements stylés. Ouais. Magnifique finale, encore une fois.